Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau webinaire en direct et enregistré, organisé par l'ESCP Alumni Santé en partenariat avec managersanté.com. Et je suis ravie de vous accueillir ce soir et de co-animer en présence de Julien Levavasseur, président de Manager Santé et expert en e-santé. Bonsoir Julien. Bonsoir Nada, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Je remercie chaleureusement Bisense, la plateforme de référence en veille sur la e-santé qui soutient l'événement de ce soir. Et je remercie l'ensemble des participants qui nous suivent ce soir, qu'ils soient urgentistes, professionnels de santé, institutionnels ou même industriels qui se sont connectés de l'ensemble de la France et même de l'étranger. Et bien pour parler de coordination de soins non programmés et surtout du rôle de la e-santé et de la télémédecine dans cette coordination. Et pour ça, je vous invite à poser vos questions tout au long de ce webinaire sur le chat. Et Julien et moi-même serons ravis de les relayer à nos deux experts. Et bien sans plus tarder, je suis ravie d'accueillir ce soir le docteur Céline Jardy-Triola. Bonsoir Céline et merci de votre présence avec nous ce soir. Bonsoir, merci beaucoup de l'invitation. Avec grand plaisir. Alors Céline, vous êtes médecin depuis 2007 et après un parcours aux urgences, que ce soit dans le public ou dans le privé, vous êtes installée depuis 2015 en tant que médecin généraliste et vous vous êtes lancée dans l'aventure entrepreneuriale avec une amie infirmière en créant la solution Urgence Chrono pour répondre au problème de saturation des services d'urgence que vous allez nous exposer tout à l'heure. Je suis également ravie d'accueillir le docteur Pierre Simon, que nous connaissons tous. Bonsoir Pierre et merci beaucoup de votre présence ce soir. Bonsoir Nada et merci de m'avoir invité. Avec grand plaisir. Alors, vous êtes néphrologue, vous avez passé plus de 30 ans dans les services de néphrologie à l'hôpital. Vous êtes également le fondateur de la Société française de télémédecine que vous avez notamment présidée. Vous avez passé quelques années également au ministère de la Santé en tant que conseiller général des établissements de santé. Et depuis 2017, vous êtes consultant pour des gouvernements, des institutions internationales au sujet du déploiement et des programmations de la télémédecine. Et vous aimez beaucoup rédiger, donc vous tenez un blog qui s'appelle Télémédaction, encore une fois, autour de la santé connectée et de la télésanté. Alors, ce soir, notre binôme, notre duo de choc nous propose une présentation en deux temps. Donc, docteur Pierre Simon va planter le décor, va nous faire une analyse du contexte et Céline va exposer la solution, les cas d'usage et puis les références qu'elle a pu avoir. Je vous laisse la main Pierre et ensuite on vous écoute Céline. Bien, bonjour à toutes et à tous et ravi de pouvoir aborder avec vous ce soir le problème des soins non programmés. L'hospitalier que je suis et que j'ai été a vécu cette difficulté d'organisation des soins non programmés depuis 20 ans. Et il faut le dire que cette difficulté à organiser les soins non programmés dans le secteur libéral a eu des impacts très forts sur les services d'urgence hospitaliers. Et je salue à cette occasion les médecins urgentistes qui sont connectés. Alors, nul autre qu'un médecin urgentiste peut parler des soins non programmés. Et j'ai été captivé, je peux le dire, par le rapport de Mesnier, qui était le chef de service d'urgence au centre hospitalier d'Angoulême et qui est devenu député. Donc, un praticien qui a été confronté aux difficultés des soins non programmés, de l'organisation des soins non programmés, et
un médecin qui est devenu un acteur politique de premier plan et qui a fait ce rapport en 2018 à la demande de la ministre de la Santé de l'époque, Agnès Buzyn. Que dit ce rapport? Des faits que tous les en reparler, c'est que d'une part, il y a une hausse ininterrompue depuis 20 ans de 3,5% par an de fréquentation des services hospitaliers d'accueil des urgences, et le nombre de passages dans ces services s'établit en 2018 à 20,3 millions par an. Donc cette augmentation a été constante depuis 20 ans et a eu un impact sur le fonctionnement des services d'urgence hospitaliers. Alors, ce une provocation, j'assume. Je pense que l'infection Covid, qui entre autres a montré que la télémédecine était utile, l'infection Covid a montré également que nous sommes dans une situation difficile pour les prochaines années. Et cette diapositive de l'ONU, qui date de 2000, du début des années 2000, montre que le vieillissement des populations entraîne plus qu'un doublement des personnes âgées de 65 ans et plus d'ici 2050. Et nous sommes au milieu du gué, nous sommes en 2020 et la flèche que vous voyez sur cette diapositive montre que nous avons déjà une augmentation importante de cette population âgée. Vous voyez qu'elle cette progression existe sur tous les continents et je pense que l'infection Covid, c'est mon analyse, a déstabilisé les systèmes de santé existants, en particulier les systèmes hospitaliers, car finalement, cette infection, cette pandémie a submergé les moyens de l'hôpital public à cause de la décompensation de nombreux patients atteints de maladies chroniques. Nous avons su que les patients qui ont été les plus touchés par cette maladie sont les gens âgés et les gens qui avaient des comorbidités. On peut le dire, ce sont les patients qui avaient des maladies chroniques. Alors, le dysfonctionnement dans l'offre de soins ne permet pas une prise en charge optimale. Ça, c'est un constat que fait Thomas Mesnier. C'est vrai que la population française est en désarroi quand elle est dans le secteur ambulatoire. Elle est en désarroi parce qu'elle ne sait pas à qui s'adresser lorsqu'elle a une demande de soins non programmée. Et ça peut être préjudiciable aux patients qui échappent ainsi au parcours de soins structuré qui a été mis en place depuis 2004, parcours de soins coordonné par les médecins traitants. Mais nous savons aujourd'hui la problématique qui existe pour accéder à un médecin traitant. Et alors, Thomas Mesnier fait des propositions dans ce rapport. La première proposition, c'est encourager les initiatives qui ont déjà été prises. Il est vrai que ce n'est pas en 2018 que l'on découvre les initiatives à prendre, mais il faut le dire, toutes les initiatives qui ont été prises jusqu'à maintenant n'ont pas encore apporté de solutions très significatives, enfin des résultats très significatifs. Alors, quelles étaient les initiatives déjà prises? C'est les centres de soins non programmés de jour dans les hôpitaux, en pénurie d'urgentistes. C'était l'accord cadre interprofessionnel qui a été proposé par l'assurance maladie aux MSP, aux maisons de santé pluriprofessionnelles et les centres de santé, avec une rémunération forfaitaire pour les plages horaires dédiées aux soins non programmés. Il y a aujourd'hui près de 600 maisons de santé pluriprofessionnelles et 2000 centres de santé qui bénéficient de cette rémunération forfaitaire. C'est l'accueil des soins non programmés dans les hôpitaux locaux, et là, le décret qui vient de sortir, donc que tout le monde a lu, j'espère, montre enfin que les établissements de proximité vont avoir un rôle très important à jouer avec le secteur ambulatoire pour hospitaliser directement
dans des lits d'établissements de soins périphériques reconnus comme tels pour hospitaliser directement des patients à la demande du médecin traitant, du médecin généraliste. L'accueil de soins non programmés également dans les établissements privés et les établissements dits périphériques qui ont été, dont on a parlé dans la loi Ma Santé 2022 concernent également bien sûr les établissements privés qui souhaiteraient offrir des lits aux médecins généralistes pour des hospitalisations directes de leur patientèle. Enfin, les associations type SOS Médecins qui interviennent 24 heures sur 24, eh bien, ont aujourd'hui, disons, un développement considérable. On rappelle qu'il y a 20 ans, SOS Médecins n'intervenait pratiquement que la nuit et maintenant, toutes ces associations interviennent 24 heures sur 24. Donc, le rapport de Thomas Mesnier dit qu'il faut continuer à encourager ces initiatives qui ont été déjà prises. Une deuxième proposition, c'est que il est aujourd'hui nécessaire de proposer un cadre général, régulé, incitatif à la mise en place systématique, selon des modalités les plus proches possibles de la situation de chaque territoire, sous l'égide des ARS et des collectivités, un maillage suffisant pour une prise en charge adaptée de cette demande de soins non programmés. Et donc, je crois qu'il faut retenir de cette recommandation le terme « une situation pour chaque territoire de santé ». Et je pense que Céline Jardy-Triola montrera à quel point il faut réfléchir aujourd'hui au niveau du territoire de santé et non pas avoir une vision purement nationale. Une troisième proposition, c'est que, voilà, c'est ce qu'il il a anticipé un petit peu mon propos, mais aucun schéma type ne saurait être imposé par le niveau national. Il faut véritablement travailler au niveau régional et territorial. Un effort massif d'accompagnement de leurs initiatives, des maillages de territoires, d'incitation doit être réalisé par les pouvoirs publics. Et donc, les professionnels de santé qui vont prendre des initiatives, et il y en a de nombreux aujourd'hui, qui essayent, disons, de trouver des solutions pour améliorer ces parcours de soins non programmés, eh bien, doivent être soutenus par les pouvoirs publics. Le schéma cible qui pourrait être le mieux adapté serait de fortement à faire de l'accueil des soins non programmés une mission prioritaire des communautés professionnelles territoriales de santé. Vous savez que ça a été la grande innovation faite par la loi Ma Santé 2022, ça a été de proposer ces communautés professionnelles territoriales de santé qui vont regrouper tous les professionnels de santé d'un territoire, paramédicaux, pharmaciens, médecins, et aujourd'hui, la mise en place se fait progressivement, probablement trop lentement, puis plus opérationnelle qu'elle le sont. Les collectivités territoriales jouent. Elles doivent proposer le cadre le plus souple possible, basé sur quelques obligations minimales fixées par un cahier des charges national. Alors là, on parle de mutualisation de plages horaires dédiées, réparties entre professionnels de façon à ce que la continuité des soins soit assurée. Bon, c'est de l'évidence. Hein, je pense que là, on n'invente rien, ils sont de plus en plus importantes et elle intervient 24 heures sur 24. Et il faut également que les laboratoires de biologie et d'imagerie soient également dans cette continuité des soins et permettent d'avoir un accueil immédiat préférentiel. Donc là aussi, c'est une action que je salue, je pense, que certains laboratoires et certains cabinets de radiologie ont déjà intégré. Il faut, pour les soins non programmés, que les laboratoires et les cabinets de cardiologie puissent faire un accueil immédiat, préférentiel de ces patients. Et il faut bien sûr qu'il y ait, lorsque ce n'est pas le médecin traitant qui intervient
dans les soins non programmés, il y ait un retour vers le médecin traitant en utilisant un système d'information partagé, qui est le DMP. Et donc, il y a une prise en charge des fonctions de coordination qui doit être assurée par un forfait modulé, et on voit apparaître, tellement le problème est important, une rémunération à la performance qui serait l'équivalent de la rémunération sur objectif de santé publique des médecins, mais mutualisée sur le réseau. Le financement, demande le rapporteur, doit être assuré de façon pérenne. Et la partie des forfaits de maisons de santé pluriprofessionnelles et des centres de santé dédiés aux soins non programmés doit être plus exigeante et en contrepartie revalorisée, tout comme la part du forfait structure des ROSP des médecins. Donc, en clair, Thomas Meunier dit, si on veut y arriver, eh bien, il faut mettre de l'argent sur la table. Il faut reconnaître que le Ségur de la santé pour les hôpitaux et peut-être pas suffisamment pour la ville, c'est le reproche qui a été fait, le Ségur de la santé a mis de l'argent sur la table. Alors, que la consultation d'un médecin appartenant au réseau de premiers soins, autre que le médecin traitant du patient, puisse être remboursée sans pénalité. Alors là, ça veut dire qu'il faut, pour les soins non programmés, aujourd'hui, considérer que tout médecin peut répondre à un appel de soins non programmés et sortir quand même du parcours de soins coordonné par le médecin traitant, qui est plutôt des soins, programmés. Et donc, les soins non programmés, il faut que toutes les bonnes volontés médicales qui sont dans un territoire puissent intervenir. Il faut dégager du temps médical utile en encourageant beaucoup plus résolument qu'aujourd'hui le partage des tâches. Et là, on voit la nécessité de transférer certaines tâches médicales aux infirmiers, aux kinésithérapeutes, aux pharmaciens, à partir d'un panier de soins défini. Là aussi, ça permettra de gagner du temps médical. La mise à disposition de boîtes à outils, c'est ce que va présenter tout à l'heure Céline Jardy-Triola, donc qui montrera comment la e-santé en particulier apporte des outils qui peuvent aider à mieux gérer ce parcours de soins non programmés. Il y a bien sûr le projet du service d'accès aux soins avec le portail santé.fr qui est en construction par le ministère. Les premières applications sont en route, mais il faut reconnaître, c'est le constat qu'il y a dans la presse aujourd'hui, que le service d'accès aux soins a du mal à se mettre en place, sauf dans quelques hôpitaux dont on a parlé dans la presse. Et il faut un développement rapide et le déploiement des dossiers médicaux partagés, parce que le DMP, que ce soit dans les soins non programmés et surtout en télémédecine, on a absolument besoin d'avoir le partage des données de santé pour avoir une prise en charge optimale des patients. Et donc, Thomas Meunier, à juste titre, dit qu'il faut un développement rapide de la télémédecine, car la télémédecine, grâce à la téléconsultation, grâce à la téléexpertise immédiate, peut contribuer à améliorer ce parcours de soins non programmés. Enfin, l'extension de la journée de la régulation médicale téléphonique des centres 15, c'est-à-dire la présence de médecins de soins primaires auprès du régulateur de centre 15, il est proposé de l'étendre sur toute la journée et non plus sur la période de la première partie de la nuit. Alors, comme l'expérience le prouve, elle permet dans deux tiers des cas de prodiguer un téléphonique, évitant un passage aux urgences. Donc, on voit également apparaître, suite aux expériences de la Suède que Thomas Meunier rapporte dans son travail, il faut certainement aujourd'hui, pour bien gérer l'organisation des soins non programmés, passer par une première étape, de conseil en santé qui peut tout à fait être géré par des professionnels de santé qui ne sont pas des médecins, qui peuvent être des infirmiers, des infirmières de type en pratique avancée, comme c'est le cas en Suède. Voilà, donc pour terminer, je dirais que en conclusion, ce rapport souhaite une mise en place, rapide et efficace,
identifiés, structurés, qui permettent d'avoir une alternative aux urgences. La rémunération de l'activité doit être ajustée. Ça, il est important que dans notre système français, la rémunération des soins primaires est un sujet important. Et il faut probablement augmenter la plage de régulation complémentaire. Mais une fois qu'on a dit ça, et là je vais donner la parole à Céline Jardy-Triola, une fois qu'on a dit ça, quelle va être la mise en musique? Et c'est là que j'ai des convictions que je voudrais vous faire partager, que Céline va vous faire partager, c'est que la e-santé et la télémédecine peuvent tout à fait mettre en musique, en quelque sorte, toutes ces recommandations de Thomas Mesnier. Je vous remercie. Merci beaucoup, Pierre Simon, pour cette présentation très, très riche et complète, qui permet vraiment de comprendre le contexte avant de passer aux cas pratiques, au cas d'usage présenté par Céline. Vous avez la main, vous pouvez partager votre écran. On a reçu beaucoup de questions, peut-être avant la transition, relativement au support. Il est très, très riche et très, très dense. Donc, est-ce que vous pensez qu'on pourra le partager, docteur Pierre Simon, à nos participants ? Tout à fait, aucun problème. Aucun problème. Super. Merci beaucoup. Bon, merci beaucoup Pierre pour cette introduction qui a rappelé vraiment brillamment ce rapport qui effectivement comportait plein de bonnes idées et on sentait le vécu effectivement d'un urgentiste pour essayer de trouver des solutions et des solutions venues du terrain. C'est exactement ce qu'on a voulu faire avec ce projet Urgence Chrono il y a maintenant presque 5 ans. On est vraiment parti de notre expérience terrain avec une amie infirmière avec qui j'avais bossé aux urgences pour essayer de trouver une solution à ce parcours de soins urgents qui est un petit peu trop chaotique et qui aboutit bien trop souvent à la saturation de nombreux services d'urgence et au désarroi de nombreux patients quand il n'y a pas un drame, soit au bout du téléphone, soit malheureusement des fois dans des salles d'attente aux urgences. Donc, c'est vraiment ce constat qu'on a fait au départ, déjà de l'amont des urgences, où on a vu que les patients étaient globalement très mal informés sur l'offre de soins. On les trouvait un petit peu perdus, on les voit arriver aux urgences un peu par défaut, alors qu'on a un système qui est en place avec la permanence des soins ambulatoires, qui est quand même quelque chose d'efficace, avec une régulation en amont. Mais on voit que les gens sont mal informés. Souvent, un patient sur deux n'appelle pas le 15 avant d'aller aux urgences, alors qu'une solution par téléphone, donc c'est de la télémédecine, le médecin régulateur peut apporter une solution et éviter un passage inapproprié aux urgences, par exemple. On voit aussi que les patients ne connaissent pas la graduation de l'offre de soins, maison médicale, urgence, service de soins non programmés. Pas de visibilité non plus sur est-ce qu'il y a du monde dans les services d'urgence ou pas. Et donc, globalement, ils s'orientent toujours vers la même structure, l'hôpital public qui est toujours allumé, on va dire. Il y a une autre problématique aux urgences dont on a entendu beaucoup parler quand il y a eu cette grève des urgences, qui est les lits d'aval. Les urgentistes se plaignent souvent de ne pas avoir de lits pour hospitaliser leurs patients. Et les patients restent des heures et des heures sur des brancards aux urgences. Donc ça, c'est un véritable problème également. Et puis, dernière chose encore, les urgences sont aussi limitées en termes de moyens et de personnel, souvent des locaux qui ne sont plus adaptés parce que le nombre de patients, le nombre de passages annuels a trop augmenté. Donc, les locaux sont souvent trop petits. Et avec des locaux trop petits, vous ne pouvez pas de toute façon agrandir les équipes en conséquence. Donc, vous voyez, la problématique de la saturation des urgences, c'est vraiment multifactoriel. Et finalement, c'est un peu la conséquence de tous les dysfonctionnements qui se retrouvent au niveau des urgences. Et donc, il y a presque 5 ans, on a eu l'idée en premier déjà d'informer les patients sur l'offre de soins, donc vraiment d'agir sur l'amont pour essayer de mieux orienter les patients. Et donc, on a créé cet annuaire des soins non programmés, urgencechrono.com, avec cette graduation. Donc, c'est-à-dire qu'on a mis également les pharmacies. Les pharmaciens sont un premier recours naturel pour les patients. Et donc, de connaître la pharmacie de garde, on sait que c'est quelque chose d'important et une vraie demande pour les patients de pouvoir aller directement à la pharmacie de garde, alors notamment en journée, pour avoir les conseils du pharmacien pour la fièvre d'un enfant, par exemple.
Donc, on a référencé les pharmacies et on a permis aux pharmaciens de s'inscrire hein, sur notre interface et de gérer leur garde aux horaires où ils ont envie d'apparaître. On comprend qu'ils n'aient pas envie d'être harcelés la nuit ou pire, braqués. Donc, ils peuvent très bien n'apparaître qu'en journée, les week-ends et les jours fériés, par exemple. On a aussi mis un petit picto, alors que je ne vois pas là-dessous, je ne sais pas si vous le voyez. Voilà, ce petit picto ici, où là, le pharmacien est équipé d'une solution de téléconsultation. Donc là, le patient qui va sur l'urgence chrono, qui cherche un souhait, peut voir que dans cette pharmacie, il y a une solution de téléconsultation, quelle qu'elle soit. Et du coup, si son médecin traitant ne peut pas le recevoir, il peut aller dans cette pharmacie, il y aura des équipements, des stéthoscopes connectés, otoscopes, et tout ce qu'il faut pour pouvoir gérer pas mal de situations. Donc ça peut être une vraie aide pour les patients. On a référencé, bien sûr, les maisons médicales de garde, ou SOS médecin aussi, avec les coordonnées, les horaires d'ouverture. Est-ce qu'il faut appeler avant ou pas? Généralement, oui. Donc, c'est marqué, appel obligatoire, avec un raccourci téléphonique, hein, quand on est sur le site en version smartphone. On a modifié ça pour pouvoir s'adapter au service d'accès aux soins ou au CPTS, qui serait organisé d'une manière particulière sur un territoire, avec, par exemple, un numéro de téléphone à appeler en journée pour tomber sur le régulateur, quel qu'il soit, et trouver une solution adaptée. Ensuite, on a référencé, bien sûr, les CMSI ou centres de soins non programmés qui se développent de plus en plus et qui peuvent vraiment proposer une vraie alternative aux urgences. À part les urgences vitales, hein, ils peuvent gérer énormément de situations et ça offre vraiment une solution de plus pour les patients. Par contre, ils ne sont encore pas très connus et ils n'ont pas le droit de faire de pub. Et donc, enfin, les services d'urgence vrais, avec un vrai label urgence, donc ouvert 24 heures sur 24, en mettant les urgences privées et les urgences publiques. Et pour les urgences, quelques services spécialisés, comme les urgences générales, pédiatriques, psychiatriques, SOS main ou ophtalmie, pour que les patients qui ont une belle offre de soins, comme ici à Montpellier, puissent aller vers la structure la plus adaptée. Mais pour augmenter encore l'efficacité du système et que les patients puissent mieux se répartir sur les différentes structures, on a eu l'idée d'en rajouter des petits chronos qui indiquent les temps d'attente. Alors, le but, c'est pas de dire vous allez être pris dans 27 minutes 12, hein, ça, c'est pas possible. Le but, c'est d'indiquer un petit peu une tendance. Et donc, c'est pour ça qu'on a que 4 niveaux avec 4 couleurs différentes, moins d'une heure, moins de 2 heures, moins de 3 heures ou plus de 3 heures. Pour que les gens voient en un coup d'œil où est-ce qu'il y a du monde et où est-ce qu'il y a moins de monde. Ainsi, ils vont pouvoir aller dans la structure la plus disponible à l'instant T, être pris plus rapidement. Et pour les équipes de soins, ça va éviter de recevoir encore de nouveaux patients alors qu'ils sont déjà dans le rouge. Donc là, sur Montpellier, ça marche très bien. Et un tiers de nos connexions sur urgencechrono.com sont sur Montpellier. Et c'est vraiment le bouche à oreille qui fait que les gens se donnent le tuyau, entre guillemets, et vont là-dessus avant de se déplacer, par exemple, dans un service d'urgence. Donc, à partir de là, on a travaillé pour améliorer le système, notamment pour calculer ces temps d'attente. Et avec l'équipe qui s'est agrandie, hein, qui a gagné en compétences, on a pu développer un véritable logiciel d'analyse de l'activité des services d'urgence en temps réel. Donc là, c'est notre hôpital pilote, Bagnols-sur-Cèze. On voit qu'en temps réel, on va pouvoir savoir combien il y a de personnes dans la salle d'attente, combien il y a de personnes en cours de prise en charge, l'activité, le taux d'activité du service et le temps d'attente sur la dernière heure. Et donc, ces informations-là sont transmises sur urgencechrono.com, comme on l'a vu, mais pourront tout à fait être diffusées en salle d'attente sur un écran avec les mêmes informations. Et là, les patients, quand on les informe dans la salle d'attente, même si on marque qu'il y a plus de 3 heures d'attente, ça râle moins. Les gens le savent, ils ne se sentent pas abandonnés, ils comprennent qu'il y a beaucoup de monde. On peut même mettre qu'il y a des patients en déchocage. Et donc ça, on voit que les patients comprennent. Hein. De toute façon, on leur explique que c'est quelque chose de plus grave. Et là, l'effet a été immédiat. Hein. Quand on a installé cet écran qui était beaucoup plus simple au départ, les infirmières et les secrétaires nous disaient le soir, elles se faisaient beaucoup moins interpeller par les patients. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est installé dans la salle d'attente. Mais on voit que pour les urgentistes, sur ce tableau de bord, on va avoir d'autres informations, comme par exemple des prévisionnels de passage. Donc, il n'y a pas encore vraiment d'IA là-dedans, hein, c'est vraiment de la statistique, mais ça permet de savoir un petit peu à quel moment les patients vont être plus nombreux
pour ceux qui peuvent anticiper en moyens matériels ou humains. Et puis, pour l'aval des urgences, on va avoir le bed management, où là, l'urgentiste va voir d'un seul coup d'œil où sont les lits disponibles dans l'établissement et pouvoir faire une demande directement en ligne, pouvoir aller interpeller la bonne personne dans le service qu'il a choisi et éviter de passer 40 coups de fil, de tomber sur X infirmière, secrétaire avant d'avoir la bonne personne et éviter de perdre 20 minutes par patient. On a rajouté également, dans le cadre du forfait, dans l'orientation des urgences, un agenda partagé pour que les patients qui ne relèvent pas des services d'urgence puissent être réorientés vers des médecins généralistes ou éventuellement des spécialistes sur le territoire pour être pris en charge. Et à ce moment-là, l'urgentiste va faire la demande, il va trouver un rendez-vous et donner ce rendez-vous aux patients. Donc vraiment quelque chose d'assez complet pour essayer de s'adapter à la problématique de l'établissement et trouver des solutions sur le territoire. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on voit à l'échelle d'un établissement. Mais ça peut être remonté aussi à l'échelle d'un SAMU. Imaginons que tous les services d'urgence du département soient connectés. À ce moment-là, la régulation du SAMU va avoir un œil dans chaque service d'urgence. Ils vont pouvoir géolocaliser le patient et voir à proximité quelle est la saturation des services d'urgence pour pouvoir orienter le patient au mieux et vraiment améliorer l'amont des urgences, mieux répartir les patients en fonction du bon établissement, bien sûr, mais surtout de la disponibilité en temps réel. Et donc, le SAMU aura également son agenda partagé dans le cadre du SAS, hein, par exemple, où là, on va pouvoir avoir les médecins du secteur qui jouent le jeu. Donc, Pierre disait tout à l'heure que c'est compliqué d'avancer pour le SAS. Ce qui est compliqué, c'est de faire travailler les médecins ensemble sur un projet commun et de les faire adhérer. Et donc, sur cet agenda type SAS, on a essayé de mettre un petit peu toutes les solutions et d'essayer de s'adapter à tous les desiderata des médecins. C'est-à-dire que certains médecins vont vouloir que le SAMU leur demande s'ils acceptent un patient alors qu'ils ont mis une plage horaire de disponibilité pour les soins non programmés. D'autres vont dire non, à partir du moment où j'ai dit que j'étais disponible, le SAMU n'a pas à me déranger, il va pouvoir prendre directement un créneau. C'est les fameux agendas pull ou push. En général, ils font que l'un ou que l'autre. Là, on a laissé la possibilité aux médecins de choisir ce qu'ils voulaient faire, est-ce qu'il veut être appelé, est-ce qu'il veut être sollicité ou est-ce qu'il va mettre ses disponibilités directement. Et également, la possibilité pour les médecins d'indiquer qu'ils sont en téléconsultation. C'est-à-dire que les médecins pourront là aussi faire du présentiel ou de la téléconsultation pour essayer d'avoir encore plus de plages disponibles, donc plus de médecins embarqués sur un territoire. De la même manière pour le bed management, évidemment, le SAMU pourrait centraliser l'ensemble des lits disponibles du territoire. On pourrait voir ça aussi à l'échelle d'une région, par exemple, et avoir un véritable outil de pilotage des lits en temps réel. On a rajouté aussi à la demande du SAMU la géolocalisation des véhicules SMUR, par exemple. Dernière brique, les libéraux. Avec les CPTS qui avancent enfin, ça sera une vraie réponse hein, à la demande des soins non programmés en journée. Donc forcément, on a fait une déclinaison de notre outil pour les CPTS, pour que les professionnels d'un territoire puissent se coordonner, échanger des informations en temps réel. Et donc là aussi, on va retrouver l'interface pour les pharmaciens, pour qu'ils puissent gérer leur garde, qu'ils puissent indiquer s'ils ont une solution de téléconsultation, du click and collect aussi également. On retrouve ce fameux agenda partagé avec du mode pull ou du mode push, c'est en rouge et en bleu ici. Et puis, bien sûr, ce bed management. Pierre, tout à l'heure, parlait des entrées directes dans les services. Et donc, logiquement, on a mis la même interface, exactement la même interface que pour les urgentistes, pour qu'un médecin libéral puisse voir les disponibilités dans les différents établissements du secteur et faire une demande directement à la personne concernée, que ce soit le médecin du service, que ce soit un bed manager. Les médecins, on a un réseau, mais si on n'a pas le copain qui bosse dans le bon service, ben c'est compliqué, on perd du temps. Donc l'idée, c'est comme pour les urgentistes, de faire gagner du temps aux libéraux en ayant directement le bon contact et même une visibilité sur les lits disponibles. Donc voilà les différentes déclinaisons
Donc vous le voyez, hein, ça s'inscrit vraiment sur un ensemble. C'est pour ça qu'on a appelé ça vraiment une suite logicielle. Tous ces éléments peuvent marcher de manière indépendante, mais on prend pleinement la puissance de l'outil et donc la puissance du numérique à l'échelle d'un territoire. Quand tout le monde bosse ensemble et partage les informations dans des bonnes conditions. Évidemment, tout ça est sur serveur HDS, hein. Mais là, ça permet vraiment d'avoir une vraie cohésion de territoire, de pouvoir véritablement optimiser l'amont des urgences avec le côté patient d'urgencechrono.com, le côté régulation du SAMU, les CPTS qui peuvent s'organiser pour les soins non programmés, après les urgences qui peuvent vraiment anticiper les arrivées, informer les patients en salle d'attente, trouver des lits plus facilement dans l'établissement. Et également pour l'établissement, libérer des lits, notamment de médecine, en travaillant en coopération avec les CPTS, en travaillant avec les EHPAD et les SSR. Donc, vous avez compris un petit peu tout ce raisonnement, tout ça qui pourrait très bien être chapeauté par une ARS, qui pourrait avoir une véritable vision au-dessus, hein, de pilotage de tout ça. Donc voilà ce qu'on a essayé de faire, de mettre à disposition des professionnels pour leur donner de véritables outils pratiques. Tout ça, ben ça ne marche que s'il y a vraiment une envie des professionnels de travailler ensemble, de se mettre autour d'une table et de trouver des solutions. Beaucoup de territoires commencent à s'y mettre, mais on voit que ça reste quand même très, très compliqué. On est en train de déployer sur l'hôpital privé du Creusot, par exemple, où il y a une vraie dynamique qui est en train de se créer entre l'hôpital et la ville, parce que c'est un endroit qui n'est pas très sexy, que les praticiens partent à la retraite, et donc ils ont compris qu'il fallait vraiment trouver des solutions, trouver des moyens à travailler ensemble pour le bien et des patients et des soignants. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Céline, pour cette très, très belle présentation et ce retour qui nous montre que les choses avancent, que ça évolue et c'est très, très encourageant. Alors, nous allons passer aux questions. Vous l'avez compris, on en a eu plusieurs dizaines. On a essayé de synthétiser, de classer par famille avec Julien. Donc, et on va alterner avec les questions qu'on a reçues en direct sur le chat. Je te laisse la main pour la première question de la liste reçue en amont, Julien. Absolument. Merci, docteur Pierre Simon. Merci, docteur Jordi Triola. On a eu beaucoup de questions, que ce soit sur les réseaux, mais aussi en direct live et puis sur YouTube. On va essayer d'en retenir les principales. Après, nous pourrons échanger par la suite et on vous donnera les différents réseaux pour pouvoir poursuivre un peu l'ensemble de la discussion. Donc, tout de suite, une question pour le docteur Jordi Triola. Une question de monsieur Prudhomme Gérald, qui est cadre de santé et à la fonction publique de Lyon. Docteur Jordi Triola, qui sont vos clients? Quel marché visez-vous? Nos clients, donc vous voyez, il peut y en avoir plusieurs, hein, en fonction de nos différents outils. Ça peut être des CPTS, où on leur propose vraiment une solution complète pour la mission Socle 1, accès à un médecin traitant et organisation sur les soins non programmés. Et ça peut être un service d'urgence, un établissement avec un service d'urgence qui a envie, dans le cadre d'une certification, dans le cadre de l'amélioration du service, de calculer les temps d'attente, d'informer les patients dans la salle d'attente, ou au contraire de garder, d'améliorer la fluidité avec le bed management, par exemple. Ça peut être des SAMU ou des ORU. On a un outil, hein, pour les ORU et pour les SAMU, comme vous avez vu, Urgence Chrono Régule. Ça peut être une ARS aussi, qui cherche un outil de pilotage à l'échelle régionale. Ça pourrait être aussi une mutuelle qui a envie d'utiliser urgencechrono.com en marque blanche, par exemple. Bien, merci beaucoup Céline. Alors une question qui a été posée lors de l'intervention de Dr Pierre Simon, et donc elle est posée par Béatrice Pipiton, qui s'interroge relativement à l'actualité et qui nous dit: quel impact attendre du projet de loi sur la sécurité publique, notamment pour le SAS et les soins non programmés? Est-ce que le 115 va devenir le numéro d'appel que vont utiliser les patients? Est-ce qu'ils vont appeler pour les soins non programmés? Comment ça va se passer concrètement? Alors, écoutez, sur cette question, je pense que Céline serait
mieux à même que moi de répondre à cette question. Le débat sur le 115, j'avoue que il existe effectivement. Est-ce qu'il va être accepté de, je dirais, de la population? Je crois que le sujet aujourd'hui, alors je ne botte pas en touche hein, par rapport à la question qui est posée, mais je pense que le sujet aujourd'hui, c'est vraiment de coller, comme l'a montré Céline, de coller à la réalité des difficultés de parcours. C'est-à-dire que on peut bien sûr avoir des systèmes d'appel, de géolocalisation. Je pense par exemple dans le rapport Thomas Mesnier, il demande que la plateforme SAS soit dotée, disons, d'une géolocalisation, disons, du territoire d'où appelle la personne pour qu'elle sache exactement ce qu'il y a dans son territoire de disponible. Mais enfin, personnellement, je pense que, il faut travailler sur des solutions territoriales ou régionales et que les plateformes, je dirais, les solutions plus nationales, comme le disait d'ailleurs le rapport Mesnier, seront peut-être hein, moins efficaces que les solutions territoriales. C'est une opinion que j'avance. Hein. Mais peut-être sur le 115, Céline peut répondre mieux que moi. Merci beaucoup. Sur le 115, bon, je ne sais pas trop. Hein. Après, c'est vrai que c'est compliqué pour les gens de se retrouver dans où appeler, quel est le bon numéro. Enfin, je pense qu'il y a vraiment trop de choses. Je pense qu'il faut arriver à avoir une vraie cohérence, une vraie solution à apporter aux patients, communiquer dessus, que les professionnels s'en emparent aussi. Voilà, donc. Pour que ça marche, de toute façon, il faut que tout le monde se mette d'accord, s'adapter effectivement à la territorialité, à l'organisation qui est en place. Et c'est là la difficulté. Mais il y a un tel débat depuis je ne sais combien d'années sur quel est le bon numéro. Là, maintenant, on sort le 115, il y a le 112, le 10, enfin, bon, bref. Enfin, voilà, je passe mon tour sur la question du 115, parce que je risquerais d'être désagréable sur le sujet. Et en parlant du 115 et toujours d'appels téléphoniques, ça nous conduit à une autre question peut-être plus facile et plus ouverte. Les personnes qui sont en zone blanche, parce que vous avez parlé de smartphone, comment faire quand on réside dans zone blanche? Alors, est-ce que je peux répondre? Oui, je vais peut-être Bien sûr. prendre la parole, bien sûr. Voilà, donc écoutez, je trouve qu'on ne parle pas suffisamment de l'action que conduisent d'ailleurs beaucoup d'ARS au niveau des officines. Parce qu'une zone blanche, c'est une zone blanche pour les patients, mais ce n'est pas une zone blanche pour les officines. Et donc, on oublie peut-être ce qui a été proposé justement en attendant que le maillage du numérique en France soit correct. Il a été proposé qu'on puisse réaliser des téléconsultations au niveau des officines qui, elles, ont un accès numérique correct. Et donc, aujourd'hui, il y a beaucoup d'initiatives prises par des pharmaciens et des pharmaciennes dans des départements qui sont des zones désertifiées, pour justement permettre aux personnes de se rendre à la pharmacie et puis d'obtenir l'accès à une téléconsultation. Mais on n'y pense pas à cela. Et je voudrais le dire aujourd'hui, vraiment, il y a un gros travail fait aujourd'hui par les pharmaciens. Merci docteur. On enchaîne avec une question d'Emmanuel Pierga. Bonjour Emmanuel, vous êtes directrice du marketing et de la communication du groupe CTM Group à Montpellier. La question est la suivante, notamment pour le docteur Jardy Triola. Comment articulez-vous Urgence Chrono avec le SAS, le service d'accès aux soins, lancé par le ministère de la Santé? On est tout à fait dans le même état d'esprit. Hein. Le service d'accès aux soins est là pour apporter une solution 24 heures sur 24, soit numérique ou téléphonique, aux patients en demande de soins non programmés. Donc, c'est exactement la philosophie d'Urgence Chrono dès le départ. Donc, nous, on a déjà un support numérique avec une offre de soins. On parlait de géolocalisation et de trouver toutes les solutions en proximité. Donc, ça, c'est déjà
effectif sur Urgence Chrono. Et on a maintenant notre agenda qui permet donc du coup aux médecins de s'organiser sur un territoire. Donc nous, ce qu'on souhaite, c'est de participer activement à l'élaboration du SAS, d'être sur un territoire pilote. Honnêtement, on n'est pas encore sur un territoire pilote. On espère vraiment beaucoup pouvoir faire une expérimentation et pour pouvoir aller un petit peu plus loin que ce que propose le SAS pour le moment. C'est-à-dire qu'on a déjà le calcul des délais d'attente, on a déjà pas mal de choses qui sont en place. Et comme Pierre le disait, les téléconsultations en pharmacie, c'est déjà effectif sur Urgence Chrono, où après on pourra rajouter évidemment d'autres choses. Donc on est en plein dans cette philosophie du SAS. Et ce que je pourrais ajouter, c'est que effectivement, il faut aujourd'hui qu'en France, nous n'hésitions pas à prendre des solutions qui sont nées dans le secteur privé, si vous voulez. Et je crois que le secteur public a sa place. Je suis un médecin du secteur public et je connais les forces et les faiblesses du secteur public. Mais je pense qu'il y a aujourd'hui beaucoup de solutions du secteur privé qui sont intéressantes et qui doivent pouvoir se marier en quelque sorte avec des solutions officielles telles que la plateforme SAS. Très bien, merci beaucoup à tous les deux de vos retours. On enchaîne avec une question reçue sur le chat posée par M. Thibault Alloire qui demande si le système est plugué aux outils de gestion de transport sanitaire comme par exemple Salinéa ou autres. Alors, on est en train de faire des partenariats. On a rencontré Saniléa, qui a effectivement un système qui semble très, très pertinent, très efficace. Nous, on ne gère pas du tout les transports. Donc, oui, c'est une logique qu'on a. C'est quelque chose qu'on va certainement proposer. On est en discussion avancer avec eux, honnêtement. Donc, on espère que ça va aboutir pour pouvoir proposer justement aux établissements d'avoir une brique supplémentaire, pouvoir gérer cette brique transport que nous, on ne fait pas du tout. C'est vraiment un métier à part qu'on ne connaît pas. Donc, c'est tout à fait possible. Super. Eh bien, on enchaîne avec une autre question. C'est vrai on va essayer de toutes les traiter, mais bon, ça va être un sacré challenge, hein. Il nous reste 10 minutes si l'on veut respecter. Alors, j'enchaîne avec du coup Monsieur Chinaro, que j'ai pu voir notamment dans le petit écran, qui est président de SAS CC Conseil Pharma, et du coup qui a une question qui est la suivante. Bonsoir. Dans le cadre de votre organisation territoriale, intégrez-vous ou non le concours de la pharmacie d'officine, laquelle prenant le virage inéluctable de la pharmacie clinique? Par avance, merci pour vos réponses. Oui, ben c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Nous, depuis le début, on a bien compris le rôle du pharmacien en premier recours. Donc, on a créé des outils pour les pharmaciens pour qu'ils puissent indiquer tout ce qu'ils peuvent proposer aux patients. Donc, pour le moment, il y a la téléconsultation, il y a le click and collect. Il y aura d'autres choses. Après, nous, on souhaite vraiment travailler avec les pharmaciens pour qu'ils puissent montrer tout leur savoir-faire, notamment pour les vaccins. On n'a pas rajouté encore cette option-là, mais c'est certainement ce qu'on fera si on arrive à avoir des pharmaciens qui ont envie de s'engager dans cette voie-là et de communiquer aux patients sur toute l'offre de soins qu'ils peuvent faire. Oui, bien sûr. Nous, les pharmaciens, pour moi, c'est une force évidente dans l'accès aux soins. Ils sont plus de 20 000 sur le territoire. Ils voient plus de 4 millions de passages par jour, enfin, c'est colossal, quoi. Donc, c'est une force évidente pour nous, les pharmaciens. Et je lance un appel, on souhaite activement travailler avec les pharmaciens pour faire avancer tout ça. Et j'ajouterais, si vous permettez, je crois que deux formules un petit peu qu'il faut se rappeler de cette soirée, c'est que dans ce qu'on a appelé peut-être un petit peu excessivement les déserts médicaux, disons les régions en sous-densité médicale, l'officine, c'est un îlot de santé. Alors, vous avez parlé de pharmacie clinique, vous avez tout à fait raison. Et puis, il se trouve que dans les zones de sous-densité médicale, il y a souvent une insuffisance du réseau numérique. Et il faut se rappeler que l'officine, c'est un îlot numérique dans une zone de désertification numérique. Très bien, merci beaucoup pour ce complément. Alors,
Il y a de nouvelles questions qui ont été posées encore une fois sur le chat et je propose d'ouvrir eh bien, le micro de Thérèse Psuc et ensuite Denis Silver, si vous êtes d'accord. Bonsoir Thérèse. Bonjour. Merci de votre présence. Je vous laisse poser. Vous m'entendez? Vous m'entendez? On vous entend très bien. Oui, Thérèse. D'accord. Ben, écoutez, j'ai écouté toute la présentation de Dominique Pont, délégué ministériel, qui actuellement présente à toutes les corporations le futur Mon Espace Santé, qui va être géré par les citoyens. Donc, j'ai bien entendu qu'il allait proposer des solutions. Il y aura une liste dans Mon Espace Santé qui seront des solutions possibles. Et je pense que Urgence Chrono est tout à fait une solution qui pourrait être proposée. Donc, ma question était, est-ce que vous avez pensé intégrer dans Mon Espace Santé la solution Urgence Chrono? Oui, on y a pensé. Ils avaient fait, je crois, un appel à projet sur les premières sociétés qui allaient travailler sur Mon Espace Santé. Bon, on n'a pas été retenus, mais quand je vois qui est passé, c'était que des gros acteurs industriels. Donc, bon, voilà. Mais effectivement, hein, c'est tout à fait quelque chose, notre côté grand public, urgencechrono.com, est tout à fait un outil qui pourrait se trouver là-dessus pour que les patients puissent savoir ou consulter et avoir encore d'autres petites choses utiles sur cet espace-là, oui. Ben écoutez, je crois qu'il faut insister. Moi, je propose à tous les participants de la réunion de ce soir de communiquer à Dominique Pont s'il pense que Urgence Chrono est une solution qui est une solution tout à fait performante, de le proposer à Dominique Pont. En tout cas, moi, je vais faire la proposition. Donc, je pense qu'il faut absolument qu'on fasse également dans ce sens-là les propositions. Eh bien, c'est super. Merci beaucoup, Thérèse. C'est aussi la force du réseau et de ce type d'échange. Denise, bonsoir. Bonsoir. Donc, merci, Nada, pour la possibilité de poser cette question. Donc, c'est pour Céline. Et bravo pour tous les ajouts depuis que nous nous étions parlé à votre dispositif. Donc, vous avez évoqué la possibilité d'améliorer la prévision des lits nécessaires aux urgences. En fait, plus vous allez accumuler des données dans vos différentes applications, plus vous pourrez affiner cette prévision. Et je voulais savoir où vous en êtes, parce que une chose qui serait vraiment extraordinaire serait de pouvoir mieux gérer le nombre de le personnel présent et de le savoir bien à l'avance. Chose qui est proposée depuis quelque temps par les grandes maisons d'informatique. Donc, je voulais savoir si vous allez vers là, est-ce que vous faites tout ce développement seul, comme entreprise ou avec d'autres? Alors, là-dessus, justement, on a commencé, nous, à faire simplement, comme je disais, le prévisionnel des passages aux urgences, pas encore sur les lits d'aval. On n'a pas assez de données pour ça, clairement. Donc, on s'est focalisé sur le prévisionnel de passage à 24 heures et à 7 jours. Et on n'a pas encore intégré d'IA dedans. Hein. On a mis des modèles plus ou moins compliqués, mais qui restent des modèles statistiques et sur lesquels on a déjà des résultats qui sont plutôt performants quand même. Parce qu'après, la problématique d'aller sur de l'IA, c'est que ça coûte très cher. Et que derrière, après, il faut arriver à vendre cette solution. Il y a par exemple les Suisses, Calypse, qui font ça très bien, mais à des prix complètement inabordables pour des petits établissements qui sont quand même la majorité des services d'urgence. Donc, pour le moment, nous, on préfère faire de la statistique hein, et puis vraiment avoir des bons résultats pour qu'ils puissent déjà anticiper. Parce que là, c'est pareil, il faut aussi un changement des mentalités. Dans les établissements, quand on vous propose ça à la direction, ben, tout de suite, on peut vous dire oui, c'est super, c'est une super idée, mais quand on va dire ça au personnel, qu'il va falloir venir renforcer les lignes, venir, ça ne va pas passer. Donc, oui, c'est intéressant, mais voilà. Et donc là, on en est encore à la limite de l'humain. Donc, je pense que sur effectivement des très grosses structures, investir beaucoup d'argent sur de l'IA, et après avoir du personnel qui est tellement important dans un service que d'en prendre un peu plus, un peu moins, de demander des renforts, c'est jouable. Mais ça, c'est réservé vraiment, je pense, à des gros, gros établissements pour le moment.
Donc voilà pourquoi on n'est pas, pourquoi on n'a pas misé sur l'IA, parce que ça coûte très cher et qu'on voit quand même les limites après sur le terrain où là c'est vraiment des limites de gestion de personnel, quoi, tout simplement. Peut-être commencer par un thésard qui peut faire le tour de la question internationalement et après une levée de fonds pour ça. Alors moi je vais rajouter à ce que vient de dire Céline pour Denise. J'ai une expérience de l'hôpital et je ne voudrais pas que l'IA aggrave les inégalités entre les établissements de santé. Et ça, c'est un risque qui a été dénoncé non seulement en France, mais également dans d'autres pays. C'est qu'aujourd'hui, les grosses sociétés vont trouver un marché auprès des gros hôpitaux, mais aujourd'hui, on a un système de santé où les services d'urgence, où l'accès aux soins se fait au niveau de nombreux hôpitaux périphériques. Alors, bien sûr, il y a les GHT qui peuvent intervenir et qui peuvent, avec les établissements support, peuvent mailler en quelque sorte un territoire, mais attention aussi à, avec des trop grandes solutions portées par des grosses sociétés, à faire en sorte que des petits hôpitaux, disons, ne soient jamais dotés de ces solutions. Et l'expérience de l'hôpital public montre qu'on a eu tort, puisqu'aujourd'hui, on remet d'actualité les établissements périphériques, hein, qui avaient été délaissés il y a 10 ou 15 ans. Voilà, c'est une petite remarque provocative, comme on dit. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Denise aussi pour cette question qui a soulevé d'ailleurs une proposition. Donc, Monsieur Alloir qui dit qu'il est à votre disposition pour ce qui concerne la data. Donc, on a appris beaucoup de choses, mais il y a aussi des pistes de visibilité auprès de Dominique Pou. Il y a des pistes de partenariat. Donc, n'hésitez pas à garder contact. N'hésitez pas à vous connecter sur les réseaux sociaux et on va vous communiquer les coordonnées des uns et des autres. N'hésitez pas à nous envoyer des emails ou des messages en privé pour qu'on puisse vous mettre en relation. Et puis, c'est aussi comme ça qu'on avance dans l'amélioration de la prise en charge. Julien, une dernière question avant de clôturer? Allez. Alors, du coup, ça va être du coup docteur Pierre Simon et puis docteur Jolie Triola. Je vais prendre celle-ci. Tac, tac, tac. Bon, ça va être orienté docteur Pierre Simon. Je pense que vous allez vous faire plaisir, comme on peut le dire. Alors, c'est une question de Ibrahima Dramé, business developer chez Benz à Dakar, qui demande quel est le rapport entre la e-santé et la télémédecine. Ah, oui, très bonne question. Écoutez, moi j'ai une position que j'écris dans mes livres, c'est qu'on a trop mélangé la télémédecine dans la e-santé. Je pense que la e-santé, ce sont des services qui sont proposés par des grands industriels, les grandes start-up, et que la télémédecine ou le télésoin, ce sont des pratiques professionnelles. Je trouve qu'en mélangeant les pratiques dans une vaste appellation, la e-santé, on n'intéresse pas les professionnels à cette évolution. C'est pour ça que je milite pour qu'on distingue bien les services de e-santé et les pratiques professionnelles. Et ceux qui liront mes deux derniers livres verront que la distinction a été faite. Très bien. C'était succinct. Il est 20h. Nada, je te propose de clôturer ce moment d'échange. C'est une excellente conclusion et nous mettrons les liens et les références vers les publications et vers les livres pour aller plus loin. Eh bien, je vous remercie. Je remercie l'ensemble des participants de votre présence, d'avoir suivi jusqu'au bout cette intervention, que ce soit sur Zoom ou sur YouTube. Merci pour vos interactions. Merci beaucoup, Céline. Merci, Pierre, de votre disponibilité, d'avoir partagé, eh bien, encore une fois, vos connaissances et vos retours d'expérience. C'est toujours un plaisir d'échanger. Je vous souhaite une très bonne soirée. Portez-vous bien et puis j'espère à bientôt au-delà des écrans. Merci, dame. Bonne soirée à tous. Au revoir. Et un grand merci à nouveau à Bisense, notre partenaire et plateforme incontournable en e-santé. Très bonne soirée à tous. Bonne soirée.